si vous deviez résumer le trail en un seul mot aujourd'hui, pour vous ce serait quoi ? Dur et mais sympa. Exigeant physiquement, mentalement ? Magnifique, c'est un parcours splendide. Exceptionnel. Le plus dur c'est la descente. Alors un alpin c'est fait pour grimper, et c'est fait pour monter et c'est fait pour gravir des sommets. La descente ça nous fait toujours suer et là c'était très dur, elle était très technique, beaucoup de cailloux, beaucoup de bouillasse. Donc ça c'est un truc pour les jeunes et donc les vieux comme moi on a bien dégusté là. Engagement physique, engagement moral. En un seul mot, exigeant. J'irai rustique. Ah, il faut la résistance à l'effort, ça se joue beaucoup au moral. Il y a un beau trail des troupes de montagne. En un seul mot, on a ramassé. Il était bien, franchement il était bien. Il était dur mais il était bien. Ah, j'ai fini bras dessus, bras dessous avec un adjoint-chef du 4e chasseur. On s'est entraîné pour finir parce que vraiment c'était exigeant. Et je pense que c'est une belle épreuve de cohésion qui caractérise bien la brigade. Allez, courage. C'est cohésion dans l'effort. C'est-à-dire c'est une épreuve qui nous ressemble, les troupes de montagne. C'est vraiment l'esprit des troupes de montagne. C'est-à-dire c'est dur, c'est long, mais c'est un effort intelligent. Parce que comme c'est long, celui qui ne gère pas son effort, il n'arrive pas au bout. C'est-à-dire les meilleurs sont les meilleurs, ça va très vite devant. Mais ceux qui arrivent derrière en plus de 2 heures, ben ils ont fait un gros effort. Ils sont allés jusqu'au bout de leur effort. Et c'est ça qui compte pour eux, c'est aussi une victoire.